Bonjour les gens! Et oui, ça y est, je stream, ça fait longtemps! Je sais, mais j'avais du gens à la maison. Enfin, du gens, des gens! Alors oui, pour le petit truc avec Bayonetta, je voulais tester les voix en jap, et donc du coup, je ferai le jeu en jap de mon côté, parce que j'en avais marre, je voulais trop y jouer, j'ai craqué, j'ai commencé par y jouer quand même, hein, voilà. Du coup, moi, je me fais le jeu en jap de mon côté, et en stream, je ferai la version normale, les voix en anglais, parce qu'elles sont tellement, mais tellement mieux. Enfin bref, donc bonjour Grundy, Scratch, Nissi, Yuganon, Noctis, et je crois que j'ai oublié personne. Si, G-Styzman, ça faisait longtemps que t'avais pas écrit, donc du coup dans le chat il fallait que je remonte un peu. Et bien sûr, hein, Nissi, des bisous aussi à Béret Basque. Et bien ma foi, c'est parti pour Crisis Core. Oh, ça fait longtemps, ça vous a manqué l'émission annexe. Du coup, moi ça va, ouais. En jap, c'est comme jouer à DMC en jap. Oui, mais justement, j'ai envie de tester les Devil May Cry en jap aussi, parce que je veux voir leurs tronches qui vont pas aller avec les voix, ça me semble parfait. Ça me semble parfait. Oui, c'est sûr que c'est pas le thème qui revient le plus souvent en combat, mais moi j'aime bien cette piste, du coup. Resident Evil avait des voix jap. Fallait les mettre à la porte. J'ai hésité à streamer avec eux en fait, mais le problème c'est que le souci c'est que j'ai pas de micro global. Donc ce serait qu'avec mon micro casque. Et le souci c'est qu'avec le micro casque on capte pas bien. Enfin moi on va me capter bien, mais on va pas bien capter les gens autour. On va les entendre, mais ils seront loin quoi, du coup forcément. Et waouh, ce câlin à Zigouigoui en ninja, Yuganon, bravo. Du coup salut Zigouigoui. DMC, c'est de l'anglais. Oui, ça c'est sûr, je sais bien. Alors, il me semble qu'on était en chemin. Salut, Mr. Cross! Pour aller faire le chariot d'Aerys. Tu fais plus que des missions annexes dans les jeux. C'est bien. C'est très très bien. Alors, déjà, sachez-le, je suis très très triste parce que pour l'instant mon adaptateur micro HDMI VGA est mort. Alors je me retrouve avec un seul écran et je suis extrêmement triste. Ça me fend le cœur, j'ai qu'un seul écran, je me sens handicapée, j'ai l'impression qu'il me manque un œil. C'est terrible. C'est terrible. Je regarde. Ouais, il reste que des missions extrêmes, donc eh bien, ma foi, on va aller faire le chariot et. Oui, il fallait que je fasse la mission des faux gars. Je crois savoir, Noctis, que Carte et toi avez pas mal déliré et en chié, je crois même, sur la mission justement des gars, des agents du Wutai cachés dans la foule, en leur parlant plusieurs fois, en leur disant oui, alors, c'est toi, non, il parle deux fois, c'est pas lui, ou je sais plus quoi. Enfin, m'avait raconté une anecdote à la con, comme ça. Donc là, c'est la mission que je vais faire, une des missions annexes que je vais faire. On s'en sort très bien. Ouais, bah oui, je m'en sors aussi, mais. Gênant. Allez, bois plus vite, Zach. Allez, on va faire la chasse aux agents du Wutai. Mais oui, les suspects, mais oui, à chaque fois avec les mecs trop bizarres. Je sais plus comment tu déclenches la mission, mais il faut que je la fasse. Ils ont une partie du chariot avec eux. Comment est-ce que je la déclenche déjà cette mission? Je sais plus. Est-ce que le son ça va? Est-ce qu'il faut peut-être que je monte un petit peu le son du jeu? Je sais pas, attendez, déjà je suis à combien sur mon PC? Voilà, déjà j'étais pas assez fort de mon côté. Hop. Je vais attendre un combat. Je vais attendre un combat avant de voir, mais j'ai l'impression que le son du jeu a l'air un peu faible. Je regarde dans mes réglages. Mais je pense qu'il faudra peut-être voir ça. Ouais, là c'est à 8, là c'est à. Hop, je vais le monter un peu. On verra pendant les combats si c'est pas trop fort. Ok? J'ai monté un chouïa. Pour le moment c'est calme, il se passe pas grand-chose donc ça va, mais tu vois rien? Bah merde! T'arrives pas à te faire entendre sur tes streams. Ah! Alors, comment est-ce que je déclenche la mission des suspects déjà? Je sais plus. Ah oui, il faut que je lui parle à lui, je crois, non? Je sais plus. Ah oui, voilà. Les renégats du Wutai sont en train de former une organisation anti-Shinra. Le Wutai? Vraiment? Oui, c'est une unité de croissance. Non, oui, pardon. Pff.
Ah, je sais plus lire, ça y est, j'ai plus streamé depuis un petit moment, je sais plus lire. Ah! C'est l'unité croissant, leur force spéciale, qui est à l'origine de tout ça. Ah bah oui, encore le croissant. T'as pas de micro, c'est de stream, problème réglé, effectivement. Des espions se sont déjà infiltrés dans Midgar. Ah bon? Nous savons maintenant qu'ils sont 6 et qu'ils essayent de se fondre dans Midgar. Nous avons passé chaque 7 heures au peigne fin, mais nous n'avons encore appréhendé aucun. Eh bah écoute, bonne chance des mères de toi! Non, je vais t'aider à les trouver. Je bois. Dans le secteur 8. Très bien. Alors, on va parler à tout le monde! Le Wutai avec AW majuscule, contrairement à soldat où tout doit être écrit en caps. Tout à fait, parce que c'est le Wutai et c'est le soldat! Désolé pour le micro. Mais oui, tu stream, et c'est nickel, tu fais quoi? Est-ce que tu fais du FF15? Pardon. D'ailleurs, en parlant d'FF15, j'ai regardé avec sueur patate, qui était passé une fois dans le chat, Kingsglaive. À chaque fois, je dis Kingsglaive. C'est Kingsglaive. Chaque fois, je le dis mal. Alors, mis à part le fait que on savait pas s'il fallait peut-être avoir déjà regardé des choses avant, du genre pour avoir un minimum de background, il est plutôt... par contre, ça c'est clair, déjà, de base, il est joli. Salut Devil Tifa, il est très bien mon titre de stream, non? C'est très bien. On l'a trouvé très beau. Ça, il n'y a pas à dire, hein, techniquement parlant, le film est très beau. Mais c'est vrai qu'après, voilà, on savait pas forcément qui était qui. Alors, je sais pas si c'est normal dans le sens où, si c'est normal que tu sois complètement largué par rapport au film. Ouais, c'était un peu dommage. On était un peu largué, on savait pas trop qui était qui. Mais une fois qu'on a réussi un peu à cerner les gens, ça allait. Et il y avait des moments assez cool, quand même. Il y avait des moments assez cool dans le film. Mais forcément, comme on manquait un petit peu de background, ça nous semblait un peu brouillon, nous, de notre côté. Mais ça reste un film cool, quand même. C'était plutôt bien. Ça, c'est parce que vous êtes con. Ok, alors, je vais ban Noctis. Non, je rigole. C'est pas demain qu'elle me pourrit. Demain, personne n'a le droit d'être méchant avec moi. Pourquoi c'est ton anniversaire demain, Scratch? Alors, est-ce que tu parles... Est-ce que tu dis deux fois la même chose? Est-ce que c'est toi l'espion? Oui, c'est bon, lui il se répète. Comment allez-vous du coup, les gens? Mais oui, je sais que tu rigoles, t'inquiète. Mais non, mais toi je m'en fous, t'es celle qui veut me faire me recruter dans le truc de le club de lecture, moi je m'en fous. Mais bon, on a quand même réussi à suivre le truc et tout, donc ça allait, franchement, non, ça allait. Et, au final, c'est un film plutôt cool, je pense que je le regarderai à nouveau. Parce que je pense que je comprendrai mieux certains trucs du coup. Faudra aussi que je regarde les épisodes d'anime. Je crois qu'ils sont tous sortis, non? Je sais pas trop où est-ce que je peux les regarder. Mais ça va. Ce soldat, ce n'est rien. Ouais, t'es qu'un civil. Vas-y, parle-moi encore. Toi, t'étais suspect depuis le début là. Allez! Ah, tu veux pas me parler? Allez, parle-moi. Allez. Oh non, je suis démasqué! Et oui! Ici Zach, je trouve un espion du Wutai. Le prochain sort le 15, à ce qui paraît. D'accord, donc c'est pas encore fini. Il y a combien d'épisodes au total, tu sais? Donc oui, d'accord, demain c'est mon anniversaire. J'essaierai de pas oublier. Comme un matin à 16h40 du matin. Très bien, parfait. Ben, bon petit déj. Tu ne m'échapperas pas! Tu fais du sport 5 pommes parce que tu as la forme d'un câlin d'une fille qui te plaît hier, la super forme et du stream. Ah bah écoute, voilà! Écoute, nickel Grundy! Accorde-moi de l'attention, PNJ, parle-moi! Exactement. D'accord, il y en a 5, très bien. Stop, te voilà coincé! Tu es fait comme un rat! Je savais qu'on pouvait compter sur vous, Zach. Nous allons interroger l'espion du Wutai à propos des renégats. S'il nous donne des indices sur leur position, ça équivaudra à une mission pour vous. Ou pour nous, plutôt. Mais c'est moi qui vais m'y coller, donc pour vous. Voici des informations sur le deuxième espion. Celui-là est habillé en milicien de la Shinra et a même réussi à s'infiltrer dans la tour Shinra. Je crois que celui-là, je me souviens de qui c'est. Blablabla, je vais aller choper TKT. Je crois que je me souviens de quel mec c'est. Oui! J'ai raté la porte, forcément. C'est toujours le matin pour Tifa. Team Régis. Régis, c'est le roi, c'est ça, hein, si je me souviens bien des prénoms. Parce que j'ai du mal en plus avec les noms, donc... Mais Régis, c'est le roi. Ouais. Régis, c'est le rival dans Pokémon. J'ai bien suivi.
Je crois que c'était lui, non? Je sais plus. Ou alors il est peut-être à l'étage d'en dessous. Ouais, aller-retour entre Midgar et Corel, ok. Était de veiller sur l'équipe d'inspection, chef. Une brute appelée Magnum ou Bullette n'arrêtait pas de se prendre pour le chef, chef. De qui il parle? Je me souviens plus de ça. Mais Karma, non, non, bah non, lui ça a l'air d'aller. Très bien, donc lui ça va, donc il doit être dans le... Il doit être dans le... Dans le... Dans l'aile de... Ça là, là, ça, machin, exposition. Régis, c'était pas un parfum de bonbon. Régis, tu es désappointé. Ah, oups. Mais oui, Régis, ça se mange tout à fait. C'est peut-être toi. Bonjour. Est-ce que t'es suspect? Renforcer la sécurité. Ouais, prévenez-nous si vous trouvez quelque chose de louche. Es-tu louche? Non, tu te répètes. C'est pas toi qui es louche. Est-ce que c'est toi? Maintenant, lui, il connaît Sid et tout. Lui, c'est un employé de la Shinra, normalement. C'est bon. Lui, il est juste jaloux de Sid. Il est peut-être à l'étage du soldat. Je vais aller voir. Bonjour. Est-ce que tu es à l'étage du soldat? Le meilleur Régis, c'est celui des nuls. Tu veux bien manger Régis. Oh! Bonjour. Es-tu suspect? Non, ça va. Bonjour, es-tu suspect? Tu peux me dire oui? Non, ça va, il se répète. Salut, c'est toi? Non, il se répète. Mais en plus, c'est Luxière, je suis con, il y a son nom qui est marqué Luxière, il peut pas être suspect. En théorie, c'est pas eux, mais je vais quand même leur parler. Eux, c'est ceux qui sont en kiff sur la nana du secrétariat et... oups. Et ouais, donc c'est pas eux. Ça se trouve, c'est une des secrétaires. Ah. L'étage du soldat. Salle d'exposition. Oui, je suis suspect, veuillez m'embarquer. Ah, merci, très bien, embarquer Yuganon, quoi. Je sais plus où il se trouve, alors. Je pensais que c'était le gars d'en haut, mais non. Ah, je sais, c'est le mec de l'ascenseur, je crois. Je crois que c'est le mec de l'ascenseur qui arrête pas de se perdre. Mais oui, je suis conne, il me semble que c'est lui. Hey, Jimor! How are you? I'm watching from my class. I can hear you, so try talking in the chat. Ah! Vas-y, là. Sors de ton ascenseur, là. Je sais que t'es là. Bah oui, tu t'es encore trompé. Putain, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui, je suis déçu. Ça aurait été parfait si ça avait été lui. Connard, c'est pas lui, je suis déçu. Je me souviens plus de qui c'est alors l'employé suspect. C'est la secrétaire qui veut me draguer. C'est la secrétaire qui veut me draguer. Bonjour, êtes-vous suspect, vous qui m'avez donné des missions pour la Shinra? Bon bah du coup c'est que ça doit être le milicien qui est sur la place alors. Je pensais qu'il était rentré dans le bâtiment Shinra, mais ça doit être du coup le milicien qui est sur la place en fait. Mon perso préféré dans Kingslave, les esclaves du du roi. Grounded. Or anything. C'est moi qui est suspect. Oui, je sais. Je sais que je suis suspect à demander à tout le monde s'ils sont suspects. Mais je crois que c'est lui en fait l'espion. Je suis allée beaucoup trop loin pour chercher. Bah non, c'est pas lui. Je suis déçue. En même temps, lui il est là depuis le début du jeu donc c'est pas lui. Vas-y là, il est où là? C'est toi! T'es caché derrière un poteau. Ah non, c'est le journaliste ça. Vous devez me laisser partir!
Ah. Ah. Allez. File. Un journaliste qui essaie de découvrir la sombre vérité qui se cache dans la compagnie Shinra. Ok. Mais c'est pas gentil Ah oui, c'est vrai, je voulais voir mon message. Deux membres du soldat déclarés morts au combat ont été aperçus vivants. Genesis et Angel ont été vus alors qu'ils entraient dans l'usine de conserve de fruits à Banora. Bah oui, écoute, les morts ont faim, qu'est-ce que tu veux? D'après ma source, plusieurs Genesis auraient été vus les uns après les autres. Hollander du département scientifique était également présent. Ceci laisse à penser que Genesis et Angel seraient impliqués dans des expériences secrètes qui sont menées au sein de l'usine. J'ai perdu le contact depuis avec ma source et j'espère qu'elle est toujours en vie. Mais quelle est donc sa source? Eh, j'espère qu'elle est potable. Du coup, mon perso préféré. Bah le roi est cool, ça c'est clair. Le roi est très très cool. Après, je trouve que l'unité Kingsglaive dans son ensemble, en fait, le principe de l'unité est plutôt sympa. Là, le fait de pouvoir se TP avec les armes, je trouve ça très très cool. Après, comme je connais pas bien les gens... Salut, Kart! Comme je connais pas bien les gens et leur univers, c'est vrai que... je peux pas vraiment dire qui est mon préféré, mais le roi a une putain de prestance et je l'aime bien, lui. La princesse, elle... Enfin, je crois que c'est une princesse, hein, la blonde. Elle est cool, un peu relou parfois. Ça va. Il y avait la nana là qui était à moto qui faisait partie de l'unité Kingsglaive que je trouvais très très cool aussi. Alors, les attaques récentes sont déroulées en deux étapes. Pour commencer, une attaque a eu lieu sur le quartier général et sur toute la région de Midgar. Nos forces ont été déployées pour répondre... Merci pour le host, Haru. Salut du coup. Crow, ouais, c'est ça. Et puis pour répondre à ces attaques. Ensuite, d'autres attaques ont frappé le quartier général alors que nous tentions de récupérer nos forces. Bien que les dégâts soient lourds, l'impact sur les opérations de la compagnie est minime. Heiliger, directeur du département de la sécurité. Ça devient un gros blanc. Alors attendez, je vais reprendre les indices. Mais j'étais persuadée que c'était ce mec-là, mais non. Mais c'est pas toi qui me donne les indices, dégage! Il est où le mec? Eh oh, copain du soldat, t'es où? Ah, il est là. Il stoppe son stream pour toi. Oh. Donc, il est habillé en milicien, très bien. Et c'est infiltré dans la tour, donc si, en fait, il est dans la tour. Ah, tu doutes qu'il retourne dans la tour de Shinra? Ah ben oui, j'avais pas bien lu la fin de la phrase. Que suis-je bête? Ça se trouve, il est dans le... L'autre quartier, là. Là où il y a le Iris, tout ça. Parce que toi, c'est pas toi. Toi, il m'a parlé plein de fois, et puis c'est pas lui. Toi, c'est pas lui. Croque, monsieur. Salut, Ao! Comment ça va? T'as eu ce jeu, mais t'y as pas vraiment joué. Ouais, il est bien, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais après, voilà, faut aimer. Mais il y a beaucoup de missions annexes, et j'ai voté... Enfin, j'ai fait une demande en stream, et les gens ont voté pour que je fasse toutes les missions en stream, donc attention. Mais c'est trop mignon, Haru, mais t'étais pas obligé, enfin. De quoi? Mais pourquoi le facepalm? Mais pourquoi? Parce que j'avais pas tout lu, c'est ça. Angel? Où étais-tu passé? Désolé, je suis un homme occupé. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'arrive pas à contacter Sephiroth. Il s'est passé quelque chose.
Pas vraiment, c'est juste qu'il s'est enfermé dans la salle de données pour lire de vieux rapports. Je vois. Hé, hey, où tu vas encore? Je comprends plus rien ces temps-ci. Genesis et Hollander sont à Modeoheim. C'est trop chiant à dire. Modeoheim. Voilà. Et tu es venu pour me dire ça? Est-ce que tu travailles? Je fais toujours partie du soldat, au fond de moi. J'ai également informé Lazare à ce sujet. Ils vont venir te chercher sous peu. Ouch! Ouch! C'est impossible de voler avec une seule aile. Si t'étais obligé. Mais non! Tu signales tout de même que si on n'avait pas été d'accord, tu aurais passé un 49-3 pour faire toute l'émission quand même. Mais je ne l'aurais pas fait en stream en fait. C'est ça la différence. Qui arrive pas à passer les archers d'Anor Londo. C'est dans Dark Souls. Ouais, c'est lui, voilà. En fait, il était ici. Voilà. Tu ne m'échapperas pas! Faut tracasser l'énergie, rien de plus simple. Oh, mais nos petits, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est sale. C'est sale. Mais oui! Alors, donc, il semblerait qu'il ait trouvé des informations confidentielles en s'infiltrant à l'étage du soldat. Pour être déguisé en employé de la Shinra. Très bien, c'est noté. Donc là, c'était dans la tour. En fait, j'étais allé trop tôt dans la tour. C'était à l'autre parce que j'avais pas lu les infos en entier. Parce que lire, ça sert à rien. Mais des fois, ça sert quand même, en fait. Oui! C'est dur d'aller dans la tour. Ah! Oui! Non, c'est pas vrai. C'est fou. C'est vrai que tu ne joues pas à Dark Souls de manière générale. T'as joué au jeu après avoir connu les speedruns. Du coup, tu connais 2-3 astuces. Bah oui, les speedruns, c'est bien cool pour ça. Lire, ça sert à rien. Exactement, c'est pour ça que là, tu vois, je suis allée dans l'entrée alors que je voulais aller à l'étage du soldat parce que j'ai cliqué trop vite. J'en ai marre. Alors, un employé suspect. Enfin, un peu sale quand même dessus, c'est l'épée. C'est trop drôle. Alors, on va faire toutes les salles. Mais oui, c'est cool de lire, c'est juste que des fois, je vais trop vite et du coup, ça fait la merde. Bonjour, les scientifiques qui sont là depuis le début, êtes-vous suspect? Non, je veux pas faire des squats. J'en ai déjà fait, j'ai tout gagné. Es-tu suspect? Bah non, toi t'es un vrai scientifique. Mais oui, c'est cool de lire. Mais oui, et le retour des câlins, exactement. Alors, donc ici, il y avait 3 scientifiques. Il y a toujours 3 scientifiques. Et je suis pas sortie du bon côté. Oh, mais vous m'avez manqué aussi. Es-tu suspect? Bonjour. Non, t'arrêtes pas de parler de Lazare et de Genesis, t'es pas suspect. Eh ben mon dos, j'ai toujours mal, mais ça va mieux. Je peux un peu plus bouger, donc ça va mieux. Ça se calme tout doucement, donc j'aurais pas besoin d'aller voir le docteur. Bah oui, mais il a dit l'étage du soldat, et du coup, bah je suis à l'étage du soldat et il y est pas. Alors je vais redescendre. Voilà. On ne dit pas deux fois la même chose de suite. Exactement. Vous êtes en état d'arrestation. Est-ce que c'est toi? Parce que tu rages par rapport à Sid. Non. Elle, c'est la guide. Bah, eux, ils sont là depuis le début. Mais Noctis, ça suffit! Attention! Enfin! Sinon, je te préviens. Je te time out une seconde pour effacer ces horreurs que t'as écrites. Non, putain, mais c'est... Dégage! Je veux lui... parler. Vas-y, reviens, la connard. C'est toi, hein. C'est toi, hein. Oui, c'est lui! C'était lui! Et de toute manière, je l'avais reconnu, mais j'étais pas passée à la bonne mission. J'étais passée trop tôt tout à l'heure. Allez, viens, je t'ai démasqué. Mais oui. Bonjour, démasqué, je suis Zach. Comment il court trop bien? Wow, il s'est changé genre juste comme ça.
Ouh là là, comment qu'il est trop coincé. Je savais qu'il était suspect, lui, je m'en souvenais. Je m'en souvenais, mais j'ai pas fait au bon moment. Alors, donc. En femme. Il aimerait beaucoup l'argent. Je pense que je sais qui c'est. Et à chaque fois je dis ça, et à chaque fois c'est jamais la même personne, hein, forcément. Hein? Hein? C'est Yuffie. Oui! Oui! Bonjour, es-tu suspecte? Pourquoi tu veux que je m'en aille, hein? Quoi? Vous avez compris? Oui. Ah, elle a pas dit je suis démasquée. Transformation! Oui! Par le pouvoir du prisme lunaire! Oh oh. Peut-être tu aurais fait passer à droite ou à gauche, hein, il n'y avait pas de garde. Alors. Il n'est pas du Wutai. Waouh, trop bien! Aussi doit-il avoir d'autres raisons d'haïr la Shinra. Il est possible que cet espion ait un lien avec le département du développement spatial. Oui, voilà! Je savais bien que le mec qui détestait Cid était suspect! Je m'en souvenais de ça aussi! Mais oui, je me la joue bip-bip, exactement! C'est pas toujours évident, je me prends beaucoup plus de murs qu'à la normale quand j'accélère avec l'émulateur. Oups. Parce que toi, tu aurais voulu aller être à la place de Cid. Eh oui, c'est un hacker, exactement. Il touche toutes les touches du clavier en une seconde parce que c'est un hacker qui va trop vite. Qui va beaucoup plus vite que moi cette mission. Bah je m'en souvenais, je me souvenais de certains passages quand je l'avais fait la première fois. J'avais galéré. Et il y en a qui sont évidents, genre le mec qui déteste la Shinra parce que voilà, il est en rogne par rapport au fait que Steed ait eu le poste de pilote sur la fusée et pas lui. Il y avait la meuf qui aime l'argent, bah ça on l'avait vu dès le début, elle est là depuis le début et comme j'ai parlé à tout le monde, du coup je m'en souvenais aussi. Et je me souvenais que le mec de l'ascenseur aussi était étrange, mais je me souviens pas de tous les mecs. Alors, le dernier, je crois. Alors, des comptes à régler avec un membre du soldat qui a participé à l'opération Wutai. Je me demande qui c'est. C'est sûrement de vous dont il s'agit, Jacques. Exactement, Jacques. Mm-hmm. D'accord, donc c'est quelqu'un qui a une dent contre moi. Je me souviens plus de qui c'est. Là, pour le coup, je vais reparler un peu aux gens parce que là, je me souviens plus de qui c'est, ce mec. Est-ce que t'es louche? T'avais pas vu ce titre de stream? Bah oui, t'as vu. Il est beau. Ça se dit faux sri fois bluzug bluzug. C'est pas mal. C'est pas mal. Quelqu'un qui en a gros après moi. Alors, à l'étage du soldat. L'étage du soldat, je crois que c'est bon, mais je vérifierai en dernier du coup si je trouve pas. Sur la place. Qu'est-ce qu'il dit lui? Lui, il me présente le secteur 8. Lui, il dit qu'il patrouille. Ça, c'est les fans de. Ça, c'est les fans de Angel, Sephiroth et Genesis. Il y avait le mec là-haut qui m'en voulait, mais... Fuzri Fuiz Belzebezeg. C'est bien écrit, c'est mieux écrit que moi. Il y avait ce mec là, mais il n'est plus là. Je vais d'abord aller voir du côté du quartier de Loveless avant d'aller voir du côté de... Aeris. Ah waouh waouh. Ah oui. Waouh, on est 16, c'est fou. C'est beaucoup. Elle kiffe le mec, elle kiffe le chocobo. Lui, qu'est-ce qu'il raconte déjà?
Ah oui, lui, il présente l'avenue Loveless. Elle, là-bas, c'est celle du groupe de lecture. Lui, c'est le fanat de son bolide. Et y a personne là-bas? Genre non. Genre non. Wouhou! Je vais aller voir, du coup, au secteur suivant. Oui! Eh oui, exactement. Elle fait dodo, et même qu'elle fait dodo dans mon dos. Elle est posée, en fait. En fait, je suis assise sur la chaise. Ça semble logique jusque-là. Et en général, je me décale un tout petit poil de manière à ce qu'elle puisse se coucher sur la chaise derrière moi. Donc, c'est exactement là où elle est. Genre trop mignon. Un bébé. Bon, oui. Alors, ici, elle n'était pas intéressante, je crois, mais je vais lui parler quand même parce que je me souviens plus de ce qu'elle dit. Ah ouais, elle parle de comment aller à la plaque, etc. Elle, c'était une des gamines. Elle me disait de faire je sais plus quoi. Nouvelle mission, ça je les ferai après. Donc ça, c'est une vendeuse. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui! Oui, donc lui, il présente le reste de l'endroit. Tu peux aller là-dedans? Non. Lui, c'est le gamin des devinettes. Lui, c'est pour ramasser les matérias. Lui, c'est sa planche de bois. Est-ce que tu es toujours accro à ta planche de bois? Exactement. Tu n'as plus les bottes muets qui étaient courbes H24 sur ton stream. Ah ouais? Effectivement. Effectivement. Ils en ont eu marre d'attendre que je revienne. Ils en ont eu marre d'attendre que je revienne. Alors, du coup, il y a plein de gens à qui j'ai pas parlé ici, et avant toute chose, je vais parler à la petite parce que j'ai fini sa mission. Et j'avais pas pu lui parler à cause des attaques dans le Midgar. Mais oui, ton oncle est rentré, exactement. Il m'a dit qu'un monsieur du soldat avait tué les monstres. Je me demande qui c'est. Ah, c'est super, il faudra remercier ce monsieur du soldat. Pas vrai? Clin d'œil, clin d'œil. Oui! À quoi il ressemble ton oncle? Il est beau, et il est toujours bien habillé. Je vous rappelle qu'il voulait l'épouser. Sa maison se trouve dans le marché du mur. Toutes les pièces de sa maison sont grandes et bien décorées. Il dit qu'il travaille comme un parrain. Don Corneo! Comme parrain? C'est bizarre comme travail. Mais est-ce qu'il serait à la tête d'une organisation criminelle? Don Corneo! Exactement, Noctis! Exactement, son parrain, c'est putain de Don Corneo! Ouais, genre électrique, skateboard, tout ça, c'est tout, c'est assez. Tu n'as plus contact avec eux. Tu sais trop de choses, exactement. C'est pas toi. Ouah, putain, tu l'as écrit trop bien, Carte. Tu l'as écrit exactement tout pareil, mais t'es trop forte. Dans les taudis, donc ça, bon, lui il présente, donc il sera pas louche. Y a pas un gamin normalement dans les espions? Allez, parle plus vite. Genre toi, est-ce que t'es un espion? Est-ce que t'es un espion, gamin? Il me semble que c'est lui, hein. En plus, il le dit, genre, il le dit clairement. Bah oui, gamin, tu clames partout que t'es un espion. Ah ouais, c'est ça, il y avait bien un gamin, Carte. C'était lui. Transformation! Wouh! Moi, j'aime bien les gens qui arrivent à se transformer et en plus à grandir, hein, parce que là, le gamin, il est beaucoup plus grand que ce qu'il l'était avant. Et voilà. Et ouais, je sais, je sais. C'est grâce à moi, c'est toujours grâce à moi. Ça y est, j'ai de quoi faire les deux chariots pour Iris. Alors, donc, j'ai l'artisan magazine, les roues neuves et le bois de noyer, ainsi que les outils en mithril, nickel, le plan du chariot Shinra, les roues Shinra, céramique Shinra et la soudure Shinra. J'ai tout ce qu'il faut pour faire les chariots. On va donc aller faire le mission. Et non pas le chariot. Bonjour. Vous avez de la chance. Je suis membre du fan club de Sephiroth, élite d'argent. C'est cool ta vie. Élite d'argent.
Certains pensent que nous n'existons pas. C'est un miracle que vous puissiez nous rejoindre. Nous seuls choisissons les futurs membres du club et nous en recrutons deux fois par an. Ah bon ? Commençons le concours d'entrée. Ah, attendez ! C'est pas vous qui devriez me demander si je veux rejoindre votre question, hein. Comment s'appelle l'épée de Sephiroth ? Ok. Répondez avant la fin du temps imparti. Le kikui, je suis mon jeu. L'épée broyeuse. Bah la masse amune. Correct. Question numéro 2. Comment s'appelle l'attaque ultime de Sephiroth ? Omnifrappe. C'est pas genre supernova ? Correct. De quelle masse... Oh, j'en sais rien, ça. Ouais. Comme ça, je... Cool. C'est bon, je vais pas pouvoir rejoindre de groupe. C'est un vrai viewer, il est même modo. Ça arrive que des viewers soient connectés H24. C'est pas pour autant que tu serais en même temps. T'aurais mis Omnifrappe. C'est celle de Cloud, celle-ci. Avec son moignon. Mais oui, avec son moignon, je suis tout à fait d'accord. J'aurais voulu mettre ça, mais il n'y avait pas ça. Alors, les missions annexes. Droitier et Sephiroth. Très bien, je note. Alors par contre, l'unité croissance, c'est celle-là. L'espion du Wutai appréhendé dans l'avenue, enfin, sur l'avenue Loveless nous a indiqué que des éclaireurs de l'unité croissance se cachaient dans les taudis du secteur 5. Neutralisez ces éclaireurs sans plus tarder. Il y en a qui sont sur 40 streams en même temps. Ouais, avec le multi-twitch là. Et oui, H24, c'est très très beau. C'est un logiciel qui ouvre les chats, ça les centralise. Résultat, tu es facilement sur VChat H24. Ah bah bravo! Mais ouais, c'est déjà dur à suivre un stream, alors 10 en même temps. Ouais, il y a un truc du genre multi-twitch ou je sais plus quoi là. C'est Gougoui, c'est un bot, exactement. Des bots humains, mais des bots tout de même, exactement. Alors, il y a un coffre ici. Bonjour. Ouais, une potion X. Ça veut dire que j'ai gagné une potion censurée. Moi. Ouais, à mon avis, ça doit pomper pas mal de bandes passantes. Je sais pas trop comment ça fonctionne du coup. Mais non, j'ai fini le combat! Tu peux y avoir d'autres choses sans fermer le chat d'avant et ainsi de suite. Effectivement, ouais. Mais c'est fini! Ah! Ceinture de champion. Très bien. Et bah des bisous Nissi, et oui je ferai des bisous à ta version poilue. Et puis bah à plus tard. Oh allez. Non, le tue pas. Vas-y, rate. Non, tu vas le tuer. Nul, je voulais pas le tuer. Fais pas sur lui. Non, je voulais le voler. Mais oui, forcément, il y a rien à prendre. C'est pas lui que je voulais voler. Je suis triste. Très triste. Cyclone arsenic, pas mal. Du coup, le son, ça va en combat, c'est pas trop fort parce que j'avais remonté un petit peu le son du jeu. Donc...
Donc celui caché dans les taudis nous a révélé que les forces du Wutai, enfin que les forces avancées de l'unité croissant se cachaient dans les mines de Corel. Mais oui qu'on va les neutraliser. Exactement, et overkill. Sauf qu'on peut pas overkill parce qu'il n'y a pas écrit overkill dans le jeu, mais... D'ailleurs, grande annonce. Mais quand je streamerai FF10, j'ai décidé, ceux qui sont sur Twitter le savent déjà, que je streamerai FF10 avec le mode pour qu'il y ait le rire de Tidus partout dans la bande son. Et à chaque fois que Tidus parle, à chaque fois que quelqu'un rigole, ce sera le rire de Tidus partout, tout le temps. Donc je ferai FF10 comme ça. Voilà. J'espère que vous êtes heureux. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait très plaisir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Non, non, FF10, pas FF15. J'ai tellement hâte de faire ce mode de jeu, sérieux. Limite, j'ai envie de tout arrêter et de commencer FF10 avec ce mode de jeu tout de suite. Mais non, faut pas une follow, les gens, ça va être bien, je vous le jure. On va se marrer et on va tous devenir fous ensemble. C'est tellement parfait. Déjà que je me suis marré en écoutant l'OST, mais... Ouais, l'OST de 3h30, j'en suis à 2h45 parce que j'avais commencé ce matin à l'écouter. Et comme après j'ai bougé, j'ai fait des trucs, du coup bah, j'ai arrêté. Mais je sais où j'en suis et je reprendrai l'écoute de l'OST plus tard. C'est parfait, elle est trop bien. Les hommes en blanc arrivent. Non, laissez-moi. Ils m'ont dit que je pouvais. Ils m'ont dit que je pouvais rester dehors. Laissez-moi. Ils m'ont dit que je pouvais rester dehors. T'en es à la moitié. Mais en plus, il n'y a pas que des musiques d'FF7, 10. Il y en a des FF7, il y en a même une de Metal Gear. C'est parfait. C'est beaucoup trop parfait. Oui, non, je peux pas utiliser. C'est là que je peux utiliser. Mais non, pas la boîte de jeu qui faisait des... qui faisait des jeux tout, vidéos tout nuls, mais non, pas ça. Qui sait pas s'il veut mettre un short ou un bermuda, alors il met une jambe de chaque. Moi j'aime bien son pantalon. Moi j'en voulais un pareil, je trouvais ça trop cool. J'avais des goûts de merde. J'ai des goûts de merde, je les ai toujours. Ils sont toujours merdiques mes goûts. Il y en a une de Donkey Kong Country, putain. Ah oui. Ah oui, bah j'ai pas dû la reconnaître parce que je connais pas bien toute l'OST de DK Country, mais oui, il y en a qui sont... C'était pile. Tu l'as presque fini, bah, c'est parfait. Mais le thème du I-Wing, il est génial. Bah allez, Zach, tu voles. Une potion, tu te fous de moi. C'est nul, mais non. Et oui, j'avais retweeté aussi, j'ai posté le lien pour le truc. Et en plus, justement, sous l'OST, déjà vous avez le lien pour la télécharger, chose que j'ai faite. Et après, vous avez un autre lien qui vous permet de télécharger le mode, justement. Tellement hâte. Ça va être parfait, moi je vous le dis, ça va être parfait. J'ai beaucoup trop hâte de faire cette merde. C'est horrible. Pourquoi est-ce que j'ai hâte de faire ça? Sérieusement, je vous le demande. Alors, nous pensons que des espions fournissent des informations à l'unité croissante depuis cet endroit. Bah, oui, forcément. Bah oui, forcément. Alors, ok. On va aller voir par là. Parfaitement parfait, exactement. Activated combat mode. Ouah, j'en reviens pas. Attention. Ah mais non, j'étais resté sur brasier. Cette musique en intro de ton stream quand tu feras FF10. Bah, je vais pas mettre les musiques de Tidus qui rigole en intro du stream de Tidus qui rigole. Après, il va y en avoir trop. Alors...
Aïe. En plus, il était choqué, Zach. Faut assumer le concept jusqu'au bout. En général, je l'ai fait une fois sur Crisis Core, mais j'évite de mettre les musiques du jeu en ouverture du stream. J'ai juste fait une fois sur Crisis Core avec une de mes musiques préférées, mais... Mais non, en général, je préfère varier les plaisirs. C'est important. Sinon, on se lasse. Et si on se lasse, c'est dommage. Et encore plus si on se lasse aller. Lasse, laisser, lasse, vous avez compris. C'est une blague, trop subtile. Aïe. Mais non, je voulais pas utiliser la motion. Il faut juste lasser les chaussures. Mais oui! Parce que sinon on avance moins bien, sauf si vous portez des scratchs. Parce que si vous portez des scratchs, bah là vous avez pas besoin de les lasser. Vous pouvez quand même faire des petites croix, genre vous pouvez croiser les scratchs histoire de faire un peu genre vous avez des baskets cool, ouais. Ouais, genre un peu cool. Mais sinon ouais, vaut mieux lasser ses chaussures. Parce que si vous les lassez pas, et ben en général vous les perdez. Mais oui, scratch, exactement, c'est les scratchs des chaussures. Toi t'aimes pas sentir... Nice. J'ai pas compris la vague. Autant pour l'omnislas, ça j'ai bien compris, mais pour le sentir las. Ah, pour sentir le cul. Ah. Scratch Team Racing. Mais non. Mais oui, les scratchs. C'est rigolo, les scratchs. Bon, c'est les scratchs, je sais, mais... Ah, tu répondais à Grundy. Ah oui. Je l'avais même pas vu, le mec, juste devant moi. Potion plus, ok. Vol raté. C'est bizarre, ça, comme objet. Ça tombe souvent. Mais non, pas lui. Potion. Putain, tout ça pour des potions, quoi. Bande de rapia. Aïe. Scratch de l'âge de glace. Bah, c'est vrai que si tu t'appelais Scratch pour les Scratch, ce serait un peu dommage parce que, genre, t'es tellement accro au Scratch que tu te veux t'appeler Scratch. Oh, bébé, t'es parti. Tu vas aller dans ton carton. Tu préfères ton carton de Clodo? Non. Oh. Ah, oh, cet échouage sauvage. Genre, c'était trop loin et c'est échoué en cours de route. Bah oui, c'était trop loin, tu t'es échoué en cours de route. Oh là là. Oh là là, c'est dur. C'est dur la vie de chat. Un gros tas de poils. Alors, mission suivante. Donc, celui à la fontaine permet de localiser les troupes de l'unité croissant, les troupes mobiles. Parce qu'en fait, les autres, ils ont beau avoir des jambes, ils sont pas mobiles. Hein. Ah, tu vois, ça y est, bah écoute, Mr. Cross, maintenant que tu vois. Elle est fière de sa blague. Mais oui, il faut toujours être fier de ses blagues, et GG pour le level up. Meilleure musique. Ouais. J'en chante bien. T'as croisé un viewer qui a pu mettre son pseudo Twitch en japonais d'ailleurs, comme Mikuya. Ah ouais? Ah ouais. Intéressant. Ok, donc, j'imagine que c'est ça l'unité mobile, ça ressemble plus à un monstre, mais bon. Et bah les news, depuis quand on s'est pas vu? Est-ce que tu sais que j'ai un chat à la maison? Sinon les news, bah c'est que j'ai pas pu streamer depuis un petit moment parce que j'avais des gens à la maison. Mais sinon, ça va, j'ai enfin un petit traitement de fond pour mes maux de tête. Je me suis un peu bloqué le dos, mais ça commence à aller mieux. Voilà. Mais non, pourquoi t'es sur brasier? Donc voilà. J'espère que de ton côté, tout va bien. Est-ce que tu sais qu'il y a eu du stream? Mais Nissika, mais oui, ce serait tellement cool. Mode.
devenir première classe n'est pas de tout repos. Ce n'est pas qu'une question de force. Je sais, mais je veux quand même être première classe. Écoute, Zach, si tu veux devenir première classe, je dois vivre mes rêves et avoir le sens de l'honneur. Et un jour, je deviendrai un héros. Ouais, soit. Tu as tout mon soutien alors. Enfin, c'est soit. Ouais! Voilà, c'était puissant. Il y a un char! Alors, lui, le pas beau, il est là. Ok. Ouais! Ah! Et voilà, c'est encore Angel! Tu as tout mon soutien, dodo. Final Fantasy, tu as fait que du Final Fantasy depuis Pokémon? Après Pokémon? Je me souviens plus. Je crois que oui. Qu'est-ce que j'ai streamé en dernier? Non, il y avait Castlevania aussi. Il y avait Castlevania Lament of Innocence et Curse of Darkness. Et là, je commence Crisis Core. Enfin, je commence. Je suis encore au début du jeu parce que je passe tout mon temps à faire les missions annexes. Mais j'ai quand même déjà pas mal de streams à mon actif. Sur Crisis Core. Après, Devil May Cry. Mais non! Après, il y a eu aussi un petit stream sur Neurovoider, si je ne me trompe pas. Puis avec Cart, on a fait des streams de Cook Surf Delicious quand elle était venue à la maison. Je crois que c'est tout au niveau des yeux. Des yeux! Ah! Au niveau des yeux! Si, si, bien sûr qu'il y a eu des trucs au niveau de la mission principale. J'en suis au moment où je dois aller voir Iris pour construire le chariot, justement. Sauf que, spoil, on va pas pouvoir le construire parce que, spoil, elle va pas être là. Voilà. Donc, mais on va enfin rencontrer quelqu'un, la dernière personne de l'OCN. Mais oui, mal à la fenêtre, exactement. Y a pas de mission principale, exactement. Coupe is delicious. Mais non, cook serve delicious. Ah là 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 là. Ça revient et ça dit n'importe quoi. Hein. Bravo, hein, je ne vous félicite pas. Bonjour, Winnie the Pooh. Mais non! Allez, Zach! Tu veux bien le voler? Allez! Bim! Raté. Ah, ça y est, j'ai réussi, j'avais même pas fait gaffe. Chariot, le chat pépito. Mais non! Le chapiteau, pardon, le chat pépito. C'est n'importe quoi, d'accord, n'importe quoi. Mais hein! Le chamallow! Oui! Pouf, pitou. Ça va trop loin, le chat de merde. Ah là, je dirais plutôt le chat de merde, ouais! Voilà! Réglé! Papana! Ouais! Nouvelle mission disponible! Eh ben non, en fait, je les ai déjà débloqués. Allez! Plus que deux! Donc! Déterminer la position de la forteresse! Attention! Nous devons neutraliser ces éléments anti-Shinra. Rendez-vous sur place et attaquer cette forteresse. C'est un rendez-vous? Ouh là là! Ouh là là. Ok, donc déjà derrière moi il n'y a rien l'air d'avoir. Je vais prendre le coffre. Et le coffre qui me fait aller par là, très bien. Activated combat mode. Eh ben non! T'as jamais joué à Final Fantasy. Bah écoute, c'est pas grave! C'est pas grave, tu joueras un jour si t'as envie d'essayer, hein. C'est pas une honte ou je ne sais pas quoi. Bah je ne juge pas les gens parce qu'ils n'ont pas fait tel ou tel truc. Rassure-toi bien. Allô. Je fais des câlins au mur pour pas avoir de combat. Potion plus, tout ça pour une putain de potion plus. Fous ma gueule. Fous ma gueule. Qu'est-ce que j'ai dans les magasins au fait? Je sais plus.
plus. Potion éther soma remède, ok. Bonus PVP MP assigné aspiration. Bonus attaque, résistance, magie, psy, arsenic, mutisme, gourmet, brassard, brassard, poignet, gilet, boucle, amulette, ok. Brasier, glacier, foot, soin, Esuna, acuité, pendentif, cape blanche, bandeau, ok. Ok, ok. Putain, j'ai déjà 98 potions, enfin j'en ai moins maintenant, mais... T'as fait Kingdom Hearts en revanche. Ils sont cool les Kingdoms. Un jour j'aimerais bien les refaire, mais j'ai pas les jeux, mais un jour je les referai. Donc... Oh, le retour des emotes mignonnes. Elles sont beaucoup trop mignonnes ces emotes. Noctis qu'on peut plus avec les... J'imagine. Je ne sais pas. KH2 2.8 a été repoussé. Ah, tu sais, moi je connais plein d'autres jeux aussi qui sont repoussés, genre FF15, puis il y a aussi FF15 et... Et puis Bloodstained. Mais je préfère qu'il soit repoussé et qu'il soit parfait. Plutôt qu'il sorte et qu'il soit pas parfait. Cash en HD c'est trop bien. Ouais, mais il n'y a plus les voix françaises et c'est chiant. Unfollow. Non. Il n'y a plus les voix françaises sur Cash donc c'est un peu chiant. Moi j'aimais bien les voix françaises de Kingdom Hearts donc. 90 avec autant de 15. Exactement. Half-Life 3 qui est repoussé. Ah bah ça. Ah bah ça. Et Versus 13. Oui, c'est vrai que Versus 13 il est repoussé. J'ai faim. C'est terrible. Alors, il faudra que je l'aille revoir, mais il me semble que je peux me crafter facilement un HP plus 240%. Pour ça, il faut que j'aille genre je sais plus quelle mission et que je vole le boss de fin pour qu'il me donne un truc spécial. Faudrait que je regarde ça à nouveau. Et de manière à ce que je puisse me choper un HP plus 240%. Oh oui, vas-y, Odin! Les voix FR, t'avais pas compris pourquoi ils avaient viré. Bon, en fait, ils ont perdu les fichiers. Ils ont plus les fichiers des voix françaises, donc ils les ont plus, donc bah, plus de doublage en français. Je regarderai, je sais que Vinny l'a fait et je ferai comme lui du coup pour avoir max de HP donc. Techniquement versus 13 c'est le 15. Effectivement ouais. Et GG pour le level up. Alors, d'où la blague, mais oui, mais non. Tellement les mecs bourrés chez Square Enix. FF13 a rien à voir. Enfin versus 13 a rien à voir avec. 15 on death scan, eh oui, Odin il a des rides, ah bah écoute, au bout d'un moment, hein, même les chimères vieillissent, hein, écoute, même si techniquement là il est plus jeune, mais bon, ça c'est... Ouah, il est trop mignon ce emote, c'est quoi? Give please et take, oh, take energy, c'est trop mignon, ils sont trop mignons. Mais oui, des pattes, mais oui, putain, j'ai faim. Alors... Il veut se venger de moi! Oh là là! Oh là là! Des ISO modifiés avec d'autres voix pour les émulateurs, donc l'excuse du fichier perdu, maintenant elle tient pas des masses. Bah ouais, ouais, ça... Mais bon... Du coup, c'est hyper dommage. Par contre, ouais, j'ai beaucoup trop faim, j'allais me chercher à manger, je reviens.